Rachel, pas de menti la donne. S'il pas sérieux, on va pas camper de elle parce que c'est lui qui a fait le bien, j'en suppose fait là. Ok? Bah! On va poser aux questions à deux volets. Qui jazz qui dominait de 2002 à 2012 et de 2012 à 2022? Bon, on va connaître 2002, c'est déjà coûte peut-être là. Et 2002, la familia, bah, c'est que Jacoute est dominé. Et c'est un moment assez fort tout pour Michel Martelly et le Sweet Mickey. C'est la période de l'album Dernière Occasion, Sweet Mickey a sorti. Et Zingle était encore puissant tout. Ok. Donc, je ne pense pas que c'était une domination. Non, je pense que c'est plus grande domination. Et la période 2002, là, c'est Jacoute. Et Jacoute pratiquement font une période vraiment au sommet, et d'après moi qui durait de 2002 jusqu'à 2005-2006 et jusqu'à l'album Manigeta. Et donc m'pa quoi aucun jazz qui dominait de 2002 jusqu'à 2012. M'pa quoi aucun jazz qui fait ça. Et m'pa c'est que des moments forts, gain des hauts et des bas. Et gain de jazz que nous assez souvent nous pas parler de yo, mais qui connait des moments comme si qui que yo gain pile puissance sur échiquier, hein. Et c'est le cas pour Creole là. Creole là, t'es un moment comme si que Creole là, t'es très fort, t'es très puissant. Est-ce que j'aime la tête là? Je ne pense pas, mais il y a des moments. Et Tivaïs a eu ses moments également. Hein? Tivaïs a eu ses moments. Donc, nous sommes capables de dire que nous avons une maquette qui dominait au niveau d'une certaine clientèle depuis quelques temps par classe et New Look. Et d'après moi, depuis 2014-2015 presque. Et mais quand même, il y a des groupes qui paraissent qui jeunes et puis qui questionnaient des nominations. Parce qu'à un moment de la durée, on aurait pu avoir l'impression que le groupe de l'heure, c'était impossible. On aurait pu avoir cette impression à un certain moment. Même si que son impression qui peut-être pas duré longtemps, mais la raison est simple, c'est que impossible venir identifier le temps qu'on jazz que si jeune remet. Et c'est peut-être ça qui fait blesser. Et l'on compare direct là, et il n'y a pas jamais une marchandise qui est adressée essentiellement à ces jeunes. Et le fait que compare direct là, son musique qui intimise, son musique qui facilite et relation mon ak moun, relation garçon à femme de façon toute particulière, compare direct là, son programme pour garçon à femme rencontré, et de manière intime, ça vient faire que le vient une valeur culturelle qui est très important et qui est adressée à tout l'âge. Ça veut dire que le wallon tropicana met là gen de modèle plogué ou en qualité grand mon a fait et pas gen blague dans ça. Donc moi je pense que c'est ça l'avantage de classe et de New Look dans une certaine mesure, c'est pratiquement des formations musicales toute génération. Yo arrivé joindre dans yo moyen pour yo créer des musiques qui capable de toucher toute génération. Même si me rete quoi que qu'on y a l'autre un plus compliqué parce que génération qui paraît qu'on y a là qui dans l'adolescence li. Et s'il parle avec l'enfant, mais capteur des compas tout le temps, il est très désintéressé avec affaire compas. Et c'est dans ce sens que je dis qu'il y a un danger pour le compas par rapport à cette génération qui s'en vient. Et Gonzame qui dit Karimé, effectivement, Karimé est de 99 avec la musique Bang Bang. Et Karimé également, t'es un moment pâle. Même vraiment, j'ai une sensation que. Et moment la famille de Jacoute là, et vraiment j'ai l'impression que Jacoute pas de monde sur route. Vraiment j'ai sensation moment ça, Jacoute vraiment pas de monde sur route. Et que c'est Miami, que c'est Boston côté Jacoute passé, que c'est Paris, et c'est un véritable razzia que Jacoute a fait. Et Jacoute n'a jamais connu ça à nouveau. Jacoute pas jamais une période ça, c'est la période face de Jacoute number one, de Jacoute musique à l'époque. Et il n'y a pas jamais pris une stabilité, ça me capable de dire, et positionnement ça. Après ça, pour moi-même, j'aime Zolia pour le présent moment sur question de classe avec New Look. Je ne vais pas être la dynamique en pile monde, mais pour me dire classe à New Look, qui est-ce qui a pu mener, sincèrement, je ne connais pas. Sincèrement, je ne connais pas. Parce que là, je prends et repère tous les deux, et je prends. Il y a, non, mais Zin, c'est un peu avant. Zin, c'est la période de, comprise entre 80, nous avons parlé de 2000. Zin, c'est pratiquement de 90 et 90 à, et jusqu'à 95, 96, on peut parler d'une période de, et très intéressante pour Zin.
Mais est-ce que j'aime bien la sensation que Zéland, tête maquette là, je n'ai jamais eu cette sensation, sincèrement. Parce que je n'ai pas oublié une belle période Zéland, c'était la période Sweet Mickey à tout. Et Sweet Mickey, pas moyen femme. Et 92-93, Sweet Mickey a été vraiment chaud, 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 chaud con du feu. Est-ce que tu vois? Donc, moi, c'est que et leadership a été partagé dans la période ça. Et musique, t'es très fort tout dans la période ça. Donc, on paquet de jazz qui passait de moments qui étaient très forts. C'est-à-dire la première version de Zinglin à un moment de la durée, époque Zinglin et Gary Didier Pérez, époque Zinglin Stekin, Zinglin était très fort tout, Zinglin était en forme. Et papa a eu ce moment également, et avec Gadeyo, feeling papa, j'étais placé sur ma place. Mais l'album Gadeyo a sorti, et les papa, je peux le faire arriver à New York City, et mon New York a dit que. Et yo pensé c'est un plus gros événement qui fait là New York, ce bal ça premier grand bal papa New York City, et côté yo dit en bon la neige là n'importe 2-3 blocs mon en rang, tu vois. Donc et mais ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas duré longtemps. Donc cadence c'est comme on dit, qui t'a marché bien, oui, mais est-ce que cadence j'aime l'opposition de leadership? Non, je pense pas. On va penser ça. On voit que Cadence a une belle clientèle au niveau des jeunes, surtout et au niveau scolaire. Yo. Et Cadence a développé une sorte de spécialisation dans la soirée de graduation. Yo. D'ailleurs, elle va faire une musique sur ça qui était un grand classique. Et, mais un jazz comme ça qui domine au marché pendant 10 ans d'affilée, on va habituer ça. Seul, c'est seul jazz moi qui domine tout le temps, dans une certaine mesure, que pour une raison ou une autre, un peu le monde choisit pas Balil, ça le mérite, c'est Tropicana. C'est Tropicana. Tropicana son jazz comme si, qui pas jamais baisse vrai. Moi-même, la histoire Tropicana, je compte Tropicana, la seule période de baisse, c'est entre 2006, pas 2006, entre 1986 jusqu'à peut-être 92-93, je suis capable de dire une période de flottement. En 59 ans, ça, c'est surtout un moment ça. Et puis naturellement, les débuts qui n'étaient pas faciles, la grande aventure de Tropicana a commencé vraiment à prendre forme aux environs de 71-72 que Tropicana vient m'enrager, surtout les sorties albums qui étaient si d'adia. Même tout, on dit que l'analyse de Tropicana, son jazz que nous fait en pile abus. La presse haïtienne fait Tropicana en pile abus et mon cap fait de l'année, fait Tropicana abus chaque année. Parce que Tropicana va jamais nominer l'on de l'année. Et moi, j'ai été quoi que jusqu'à présent, au moment où nous parlons, tout le monde a parlé que d'ici pas fait meilleure tournée en Haïti, d'ici pas gon meilleure tournée que Tropicana en Haïti. Là. Ok, d'ici pas gon meilleure tournée que Tropicana. Tropicana joué autant que d'ici, Tropicana fait moun autant que d'ici. Mais Tropicana pas mettre tête les sur réseau même genre. Bien que moi, j'ai commencé à faire page Instagram, j'ai essayé d'entrer dans moule. Là. Mais Tropicana, son rat mari, il fait tout partout côté le passé. Tropicana passé New York, là, elle passe Miami, là, elle passe Boston. Tout côté le passé, c'est ça le plein. Il fait jusqu'à 2 ou 3 soirées dans Miami, là. Il pratiquement fait le plein, là, tout ça le fait. Elle dit que là, elle parle de jazz de l'année. Pour Tropicana, va jamais la donne son plaisanterie. Il y a des gens qui disent que c'est parce que vous mettez Tropicana hors concours, pas hors concours. Tropicana fait partie de ce que nous appelons maladroitement HMI. Tropicana en fait partie. À tout seigneur, tout honneur, si vous choisissez de récompenser les formations musicales qui ont marqué une période X, il faut que nous mettions Tropicana la donne, parce que Tropicana a toujours la donne. Ok? Tropicana a toujours la donne. Donc ça veut dire que son jazz a fait un pile abus. Non, c'est ça.